ください。En fait, les Tizan Fagado existent depuis 2012, le groupe, mais nous tous présents ici en Juju Maloya depuis tant petit, depuis l'enfance, on va dire 2 ans, 3 ans, tout le monde de la famille en Juju Maloya. En fait, le groupe Tizan Fagado, c'est plutôt une histoire de famille. On a commencé dans les CFS cabarets, dans les cabars, et à l'époque, dans le temps longtemps, le Maloya était interdit. Et la famille a toujours perpétué cette tradition malgré l'interdiction à la Réunion. De génération en génération, on a transmis ça aux enfants jusqu'à nous aujourd'hui. La famille est très connue dans le monde du Maloya, mais pas sur la scène. Du coup, les Tizan Fagado sont là pour mettre un peu de lumière sur l'histoire de la famille et aussi sur l'histoire de Grande Fontaine et de la Réunion. Notre but, c'est de promouvoir la musique qu'on fait, pas qu'à la Réunion, mais aussi sur le plan national, voire international. Parce que comme j'ai dit, on est très connu à La Réunion, mais être connu à l'extérieur, c'est aussi bien pour le patrimoine culturel de La Réunion et aussi pour l'histoire de la famille. Je m'appelle Jason, Pilor, j'habite à La Grande Fontaine, Saint-Paul. Et je vis depuis tant petit. J'ai commencé le Maloya à l'âge de 10 ans et en fait je ne connaissais pas jouer, je ne connaissais que chanter. Et le Maloya, j'ai appris ça par rapport à la famille Gado, les anciens qui m'ont enseigné le Maloya. Le Maloya, ça a été créé pour soulager les peines des esclaves avant. Comme ma grand-mère m'a appris. Et ma grand-mère m'a dit que on jouait le Maloya pour se libérer. Parce qu'avant on était enfermés. Mais du coup voilà, on a appris le Maloya de génération en génération. Et maintenant voilà, ça se continue. Mais en vrai à la base, j'étais pas tenté trop par le Maloya. J'étais plus tenté par le dancehall, le rap, l'afro-trap, comme les jeunes d'aujourd'hui. Mais maintenant, je suis plus dans le Maloya par rapport... c'est la musique que je côtoie plus maintenant. Parce qu'il y a des gens qui chantent vrai. Et le dancehall en ce moment, c'est pas pareil. Et le Maloya, il y a beaucoup de styles. Maintenant, on peut faire du kizumba avec un rouleur, un sati et un kayom. Avant, on jouait du Maloya juste pour faire danser les vieux. Maintenant, les vieux, les jeunes, les petits, tout ça, voilà. Voilà ce qui m'apporte le Maloya. Trying to do nothing.